Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jouer avec moi, jeu pour enfants. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce jeu Playmobil, donc l'hélicoptère de sauvetage de la série City Life. Donc cet hélicoptère arrive rapidement donc, au lieu de l'accident, amène le malade, l'accidenté dans la clinique qui est là-bas. Donc c'est vraiment super, donc ça passe bien avec le jeu donc, de la clinique pour enfants, de Playmobil aussi. Donc voilà, donc ce que je vous propose là, c'est de sortir tout ça. Donc c'est le numéro 6686, c'est pour les enfants de 4 à 10 ans. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc ouvrir cette boîte et puis voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc l'hélicoptère est blanc avec des petites rayures orange et jaune. Ici on a même un petit... lit de sauvetage avec une valise de médecin, pilote, le médecin, voilà. On va tourner donc la boîte. Il y a 29 pièces dans ce jeu. Et donc voilà un peu notre hélicoptère, quoi il va ressembler. Les figurines, donc les personnages, un enfant, deux adultes. Un lit de sauvetage, les bandages, maladie médecin, voilà, tout ça là-dedans. Donc là, on a d'autres petites images qui nous montrent un peu comment ça fonctionne. Des différentes ouvertures de l'hélicoptère. Voilà. Bien sûr, les hélices, les palmes de l'hélicoptère bougent, peuvent tourner. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est de faire la sortie de boîte et la démonstration en une seule vidéo. Donc on ouvre tout ça. Donc voilà notre hélicoptère. On a à peu près la taille qu'il a. Je dirais à peu près 30 cm de long. Voilà, donc la porte ici peut s'ouvrir. Il y a un siège. Ici, on a le lit du malade qui peut se mettre, qui se case ici. Donc voilà. Donc là, bien sûr, ceci... Laissez-moi un commentaire pour me dire comment ça s'appelle ça exactement. Voilà, ça se met donc en dessous de l'hélicoptère. N'hésitez pas à écrire un commentaire pour me dire si vous savez. Là, on a les palmes de l'hélicoptère. Donc on va les fixer, puis je vais vous montrer. C'est vraiment énorme. Hein. Et là, on a encore quelques pièces. On va ouvrir le paquet. Voilà, voilà, voilà. Donc... On a toutes les petites pièces pour l'hélicoptère. Donc voilà, on a bien les rayures orange là. Donc c'est jaune et orange. Et puis là, on a le petit symbole de la pharmacie, de l'hôpital. Là, on a la mallette de médecin. Puis là, on a plein d'autres petites pièces. Voilà, voilà. Ok, donc c'est vraiment cool. Et je crois qu'il y a encore deux paquets à l'intérieur. Bien sûr, on en a un avec tout ce qui est instructions, stickers. Voilà, un peu élastique un petit peu, voilà. Voilà, c'est assez ouais, flexible. Donc là, on a nos stickers. Donc les différents jeux Playmobil qu'on a, donc c'est pratique, ouais, pour des idées pour Noël, par exemple. Voilà. Donc vous allez pouvoir voir tout ce qui se fait chez Playmobil, enfin une bonne partie des choses qui se fait chez Playmobil.
Voilà. Bien sûr, ce qui est important aussi, c'est d'avoir le pilote de l'hélicoptère, hein, parce que sinon, on ne va pas très loin. Vivi. Voilà pour ça. Ok, pour ça. Donc là, voilà, c'est le petit casque pour que le pilote puisse communiquer avec la centrale. Et voilà. Voilà, le cockpit, bon, il est déjà terminé. Et voilà, donc on a encore quelques pièces à mettre là. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de construire tout ça. Donc le cockpit, je pense que maintenant on a tout mis. Il a l'air très terminé. Donc il faut mettre juste les autocollants pour tout ce qui est instrumentation. Tous les instruments de vol. Pardon. Voilà. Et donc voilà, on a nos instruments. Il n'y a pas encore de pilote, par contre. Donc là, on a encore d'autres choses à faire, parce qu'il n'est pas encore tout à fait terminé, ce cockpit. Donc il y a pas mal de stickers encore à coller. Donc là, normalement, le cockpit, il est presque terminé, voire terminé. On a les instruments de vol. Voilà. On va continuer donc à s'occuper donc de la manette du médecin. Donc on va coller les autocollants. Là, ok, donc là, je pense que ça doit être bon. Pour ça, on peut mettre comme ceci. Ouais, je sais pas trop. Peut-être qu'il faut mettre le stick. Enfin, le truc dans là où je sais pas trop. Voilà, des seringues, ciseaux, bandages, enfin plein de trucs comme ça. Là, on va coller cet autocollant. Bon. Voilà.
Là, il faut donc essayer de compter tout ce qui concerne, je dirais, l'arrière donc de l'hélicoptère, donc la porte par laquelle on va rentrer donc le malade à l'intérieur. Voilà. Là, on va s'occuper donc des ailes qui vont voilà, sur le côté comme ça. Là, on a ces petites pièce encore que l'on peut fixer juste ici, sur l'arrière de l'hélicoptère. Et après, il me reste encore ceci là pour le cockpit. Voilà. Donc c'est la manette de vol. On peut le bouger. Là, on a un copilote. Voilà, donc on peut tout bien bouger là. Voilà. Et puis là, a l'air plutôt pas mal, on peut l'ouvrir comme ceci. Voilà, c'est assez pratique. Après, il nous reste encore, oui, les palmes d'hélicoptère. Ouais, donc voilà, ça peut aller vraiment super vite hein, quand tu. Quand on fait tourner, donc là on a nos palmes pour faire la liste de l'hélicoptère, enfin ouais, les palmes d'hélicoptère. Et là aussi, ah, ça tourne bien. Hein. Pour le petit blessé, on a tous les bandages possibles. Donc pour la tête, pour les bras, pour la jambe. Ok. Là, on va terminer avec le pilote ici. Là, on ne peut pas le mettre sur sa tête, donc ça va que pour la sienne. Sinon, donc c'est vraiment fait pour cette figurine Playmobil, enfin du moins notamment pour avec ses cheveux, parce qu'il a ce qu'il faut pour fixer la case sur la tête, pas l'autre. Donc voilà, tout est prêt. Donc la construction touche à sa fin. Là, on peut mettre le pilote donc dans son cockpit et tout passe très bien aussi. On referme. Ensuite, ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre l'enfant donc sur le lit pour les blessés.
Voilà, donc on va pouvoir ranger ça dans l'hélicoptère. Donc voilà notre blessé, on ouvre la porte pour mieux voir à l'intérieur, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc on va mettre notre médecin, on va l'asseoir comme ceci. Il passe très bien, il bouge pas. Voilà, on va fermer la porte maintenant. Et puis voilà, on est parti. Voilà, mon petit blessé est couché sur le côté. Et puis notre médecin l'accompagne. Et le pilote est vraiment tout seul dans le cockpit. Et puis maintenant, on va pouvoir décoller vers la clinique pour enfants. Donc voilà, l'hélicoptère a atterri devant la clinique pour enfants. Donc là, il y a encore une extension ici qui est possible. C'est une piste pour l'hélicoptère. Donc ça, on n'a pas encore ce plateau de jeu. Donc pourquoi pas, un de ces jours, on va se le procurer. On sait qui c'est. Donc voilà, c'est vraiment un super jouet. Et voilà, ça va super bien avec la clinique pour enfants. Donc laissez un commentaire si ça vous plaît. Aimez la vidéo aimez notre vidéo. On se voit une prochaine. Salut.